soir, nous déclarons ouvertes les festivités Pont Saint-Vincent à la même époque, donc septembre 99, une date que j'espère que vous n'oublierez plus. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir et très honorés par la présence de nombreuses personnalités. Je pense en particulier à M. Godot, ici présent, Mme Heng, beaucoup de maires de nos villages environnants, et je les salue tout particulièrement. Nous remercions chaleureusement pour leur participation deux chorales de renom qui vont se produire devant vous. Thank you.
N'était-ce pas un moment divin? Merci encore à nos deux superbes chorales. Merci du fond du cœur. Encore un bravo, ils l'ont mérité. Eh bien, nous allons vous inviter à nous rejoindre autour du verre de l'amitié à la salle du Petit Bois. J'espère que vous connaissez tous cet endroit et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je crois qu'il suffit de suivre la foule. Alors, à tout à l'heure et merci pour votre présence parmi nous. Thank you.
Allez, c'est le problème. Les dialogues et commentaires des scènes présentées ce soir ont été reconstruits. Leur fond s'inspire étroitement des documents réunis par Bernard Perrin dans Histoire méconnue de ma vallée et aimablement mis à notre disposition par l'auteur. Nous l'en remercions chaleureusement. Il nous offre ce soir son concours. C'est en sa compagnie que nous allons parcourir un siècle d'histoire de Pont-Saint-Vincent. Il sera notre fil rouge dans la succession des événements et anecdotes relatés, à l'authenticité indiscutable et qui, conservée dans la mémoire collective, constitue aussi notre patrimoine.
Notre gratitude va également aux acteurs du Petit Théâtre de Bainville, de l'Association des familles rurales, qui ont aimablement prêté leur contribution par la voix et la mise en scène pour la reconstitution de « Si Pont-Saint-Vincent m'était compté ». Nous voulons ce soir la partager avec vous, en route pour ce voyage dans l'histoire. Mais écoutez ce qui se chantait déjà à la fin du siècle dernier. Belle Lorraine, petite reine, plein d'amour son beau petit cœur. Près de vous on connaît le bonheur, et la vie est un rêve enchanteur. Et pour l'ivresse de vos caresses, on ferait bien des folies. Et vraiment, je le dis avec envie, ce sont les Lorraines les plus jolies. On a baptisé Paris, la ville lumière, pour ses boîtes de nuit et ses femmes si fières. Moi je trouve que dans la Lorraine les femmes sont bien plus belles que toutes celles de Paname. Anne Faison, tes filles sont mignonnes, celles de Pont-Saint-Vincent, tout polissonnes. À Chaligny, elles ont de beaux yeux, celles de Chavigny, le cœur amoureux. Belle Lorraine, petite reine, plein d'amour sont vos petits cœurs. Près de vous on connaît le bonheur, et la vie est un rêve enchanteur. L'ivresse de vos caresses, on ferait bien des folies. Et vraiment, je le dis avec envie, ce sont les Lorraines les plus jolies. Anne Faison, elles sont toutes délicieuses. Celles de Bainville sont douces et amoureuses. À Mézières, elles sont toutes très bien faites. À Biterne, elles sont fines et coquettes. À Sexet, petits pieds et fines tailles, celles de Pont-Saint-Vincent, on l'air canaille. À la maison, faut voir comme c'est gentil, le joli bouche à pleine dent nous sourit. Belle Lorraine, petite reine, plein d'amour son beau petit cœur. Près de vous on connaît le bonheur, et la vie est un rêve enchanteur. Et pour l'ivresse de vos caresses, on ferait bien des folies. Et vraiment, je le dis avec envie, ce sont les Lorraines les plus jolies. Bernard Perrin, contez-nous pour Saint-Vincent. Cela vous intéresse-t-il vraiment? Oui. La fête nous dit un siècle d'histoire. Cette tranche d'histoire est-elle si exceptionnelle? À certains égards, certainement. Moi, j'ignore totalement. J'aurais pu interroger mes aïeux. J'avoue que j'y ai jamais pensé. Mais aujourd'hui, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'apprendre. Moi aussi.
Le fort, le village, l'église. Doucement, doucement. Venez par ici, installez-vous et écoutez. Commençons par le fort. Comme la plupart des forts de sa génération, il n'a pas d'histoire guerrière à proprement parler. Disons qu'il a eu un rôle dissuasif. Il a pesé sur le plan des opérations des forces allemandes en 14-18. En 1905, le plan Schlieffen prévoyait pour les Allemands de contourner les forts en passant par la Belgique. Leur mise en œuvre a été confiée à un général du génie, Serret de Rivière. On peut citer les forts de Villelsec, Toul, Écrouves, Frouard, Manonvillers. De quand date celui de Pont-Saint-Vincent ? Le 18 juillet 1878, le marché de sa construction est adjugé par la direction du génie militaire de la 6e région à l'entreprise Foucault et compagnie de Mirecourt. En 4 ans, de 1878 à 1882, terrassiers, mineurs, carriers, charpentiers, maçons, travaille sans relâche à édifier les casemates, les abris de combat, les soutes souterraines creusées dans le roc. Les carrières voisines ont fourni les matériaux pour les bâtiments indispensables à la vie et à la subsistance d'une garnison. Casernes, bureaux, magasins, infirmeries, galeries de circulation. Regardez, transportons-nous au 22 octobre 1887, lors de l'ultime réunion du comité de défense, sous la présidence du ministre de la guerre de l'époque, le général Ferron. On y évoque les effets observés lors d'une campagne de tir d'artillerie sur le fort de la Malmaison au camp de Châlons. Messieurs, des éléments nouveaux et graves nous obligent à revoir la qualité de la construction de nos forts de la ligne Est et de leur armement. Général Segretin, veuillez exposer les données du problème. Depuis la préconisation en 85 par Eugène Turpin de la mélinite comme charge explosive dans les obus, beaucoup plus déflagrante que notre vieille poudre noire, la puissance perforante des obus s'est considérablement accrue. Sur ordre du général Boulanger, une campagne de tir d'artillerie a été réalisée sur le fort de la Malmaison. Sachez qu'un seul obus de 150 mm peut ouvrir une brèche de 6 mètres de large et 3 mètres de profondeur dans un mur d'escarpe. Sur une batterie casematée, un projectile de 220 mm fait un entonnoir de 3 mètres de profondeur et de 4 à 6 mètres de diamètre. Les voûtes ne résistent pas. Sur les tourelles cuirassées, les effets destructeurs de ces mêmes projectiles sont considérables. Avec le dérivé nitré du toluène, le TNT, dont la stabilité est excellente, contrairement à la mélinite, nos obus deviennent des obus torpilles. Il nous faut renforcer toutes les constructions classées en première urgence. Pont-Saint-Vincent est le dernier verrou de défense de Nancy. Si l'ennemi le passe, la route de Charmes est ouverte. Par ailleurs,
les pièces de rempart des forts installées sur les crêtes de feu trop exposées sont facilement repérées et deviennent incapables de tirer utilement à l'air libre. Il est préconisé de leur substituer des tourelles tournantes à éclipse si on veut conserver leur feu. Que suggère-t-on pour le renfort? Le général Moncier veut-il poursuivre? Dans ces conditions de feu, il apparaît en effet que la maçonnerie classique des voûtes devient facile à fissurer. Il faut la repenser. Pour cela, on préconise une couche de sable à 1 mètre, 1,50 m d'épaisseur, supportant 1,20 m à 2,40 m de béton spécial, dosé à 400 kg de ciment au mètre cube, pour 300 litres de sable et 900 litres de galets, triplant ainsi l'épaisseur des murs. Un travail considérable, monsieur le ministre. Certainement, général. Aussi faut-il que nous nous attelions à la programmation de ces travaux sans tarder. Messieurs, des questions? Levons la séance. J'ai entendu tourelle à éclipse. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de deux canons de 155 mm montés sur un affût mobile verticalement, permettant de dégager les pièces en les soulevant à l'extérieur en cas de tir et de dissimuler l'ensemble en la baissant dans un puits en temps ordinaire. Vous pouvez le voir actuellement au fort de Villersec. Tous ces travaux supplémentaires ont coûté bigrement cher. Pour Pont-Saint-Vincent, initialement, le fort a englouti 2 500 000 francs, avec le bétonnage complet, 6 millions. Un nouveau franc? Oh, il n'en est pas encore question à cette époque. Il s'agit de francs or, c'est-à-dire 20 francs actuels pour un franc or. Ça fait combien? 120 millions. Oh! Bravo! Soit 12 milliards de nos centimes. Wow! Alors que les travaux n'étaient pas terminés, le fort de Pont-Saint-Vincent fut officiellement inauguré le 21 septembre 1893 par le général Jamont, commandant le 20e corps, à l'issue d'une revue terminant les manœuvres de cette unité. Dès son achèvement, le fort avait été baptisé Fort Pélissier, du nom d'un général qui s'est distingué notamment au siège de Sébastopol sous Napoléon III en 1854. Il avait été élevé par la suite à la dignité de maréchal. Jamont était entouré ce jour-là des généraux Brault, Mouton et Jolivet. L'événement avait attiré la foule des grands jours sur le plateau Sainte-Barbe. Regardez. Général, veuillez accepter ce bouquet que nous sommes heureux d'offrir au 20e corps en le présentant à son chef. Un grand merci, ma petite. Mes soldats en sont très touchés après les rudes efforts qu'ils viennent de fournir. Tu as grand cœur et un grand courage d'avoir accepté cette mission. À mon tour, je te souhaite beaucoup de bonheur dans la vie. Thank you.
Alors que les travaux de bétonnage se poursuivent au fort, de vifs remous ont brutalement secoué la vie locale en février et mars 1895. La grève ? Pire, une émeute qui aurait pu prendre une tournure catastrophique. Les événements sont arrivés aux oreilles du premier ministre de l'époque, M. Ribaud, grâce au député de Toul, le Dr Chapuis, avec discussion au Palais Bourbon le 12 mars 1895. Il s'agit de l'affaire des Italiens. Oh, racontez-nous, Monsieur Perrin. En février 1895, le chômage était important dans la vallée. De plus, à la suite de l'avancement des travaux de la ligne de chemin de fer de Pont-Saint-Vincent à Toul, 50 ouvriers étaient renvoyés. L'entreprise Gilles et Belay, adjudicateur des travaux de modification du fort, avait, elle aussi, licencié un certain nombre d'ouvriers français sous prétexte de conditions atmosphériques défavorables. Or, selon une rumeur, cette entreprise recherchait en mars des ouvriers italiens comme nouvelle main-d'œuvre parce qu'ils coûtaient moins cher. Le samedi 9 mars, dès 8 heures, 250 ouvriers français sans travail, auxquels s'étaient joints les mineurs des localités environnantes, se rassemblèrent sur la route menant au fort. À 10 heures, 18 ouvriers italiens arrivèrent en gare de Pont-Saint-Vincent et prirent aussitôt la direction du plateau Sainte-Barbe. Regardez. On nous a demandé de venir. On ne pensait pas à vous aîner. Vous ne passerez pas. Non, non. Repartez d'où vous venez. Pour vous le boulot, pour nous le chaos. Nous sommes des ouvriers comme vous. On ne vient pas ici pour se battre. Nous avons tous une femme et des enfants loin de nous. On n'est pas d'accord. C'est l'armée qui s'en mêle, les gars. Il faudra nous passer dessus. Qu'est-ce que c'est fait ? Messieurs, du calme. Ces ouvriers n'y sont pour rien. Ils ont été régulièrement embauchés. C'est une entrave intolérable au droit du travail. Eh, patron, c'est pas une entrave au droit à notre travail ? Ils débauchent des Français en février et embauchent des Italiens en mars. Serrez les rangs, les gars. Il faut pas qu'ils passent. Ah ben Gilles, ah ben l'embaucheur d'Italien. Bonjour. Barbapou. À moi, on aura ta peau. Du calme, mes amis. Ne restez pas là, monsieur le maire. Vous êtes brave. On ne veut pas qu'il vous arrive quelque chose. Au diable, le débaucheur. Honte aux affameurs. Allons, la voiture. Les Italiens doivent y arriver. Chassons-les! Nous sommes aujourd'hui le 12 mars. Et depuis le début de ce mois, le bourg de Pont-Saint-Vincent, dans ma circonscription, est en proie à l'émeute.
Il semble que l'on puisse employer des ouvriers étrangers pour élever des ouvrages de défense destinés à nous protéger contre les agressions de ceux-là même qui les auront édifiés. Que s'est-il passé le plus souvent lors de la construction de ces forts? Ce sont en majorité des Italiens qui ont été chargés de ces travaux. Je prends l'exemple du fort de Manonvillé, où depuis 3 ans, sur 500 ouvriers, un tiers à peine est français. En outre, ces ouvriers italiens qui travaillent à la construction de ces forts passent la frontière pour aller travailler en Allemagne. Puis ils reviennent sur le chantier où ils sont employés immédiatement, alors qu'on semble éliminer les ouvriers français qui se présentent en leur offrant des salaires dérisoires. Il est temps de faire cesser cet état de choses qui n'a que trop duré, Monsieur le Premier ministre. Je suis cette affaire. Le gouvernement est parfaitement résolu à faire respecter la liberté du travail, que l'on soit français ou étranger, conformément aux conventions internationales. Cependant, s'agissant de travaux intéressant la défense nationale, il n'y a plus obligation à tolérer l'emploi d'une main-d'œuvre étrangère, quelle qu'elle soit. J'annonce que si des clauses spéciales n'ont pas été mises dans les contrats, elles y seront introduites. Nous avons fait à l'entrepreneur les représentations nécessaires. Les troubles sont la conséquence de sa conduite. Dans la pensée de Monsieur le ministre de la Guerre, l'entrepreneur a excédé ses droits. Les principaux meneurs, ou considérés comme tels, furent interrogés en mairie et emmenés à la prison de Nancy par 2 brigades de gendarmerie. Un jugement confirmera la peine de quelques jours de prison. Il faut cependant dire que pendant tous ces événements, la population a soutenu les ouvriers français en leur donnant raison de leur attitude à l'égard des Italiens. La haine de l'étranger? Non, pas précisément. Les Italiens étaient mal perçus à cette époque pour des raisons politiques. Y a-t-il eu des accrochages à Bainville? Non, l'information était fausse. Il n'y a pas eu d'Italiens à la gare de Bainville. Par contre, la semaine suivante, le jeudi 14 mars, un nouveau contingent d'Italiens arrivait à Pont-Saint-Vincent. Ils sont repartis aussitôt qu'on leur a appris des événements. Transportons-nous maintenant quelques années plus tard. Le 21 septembre 1912, un personnage illustre est venu visiter Euphor. Il s'agit de l'oncle du tsar, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, commandant en chef des troupes de l'Empire russe, accompagné de la grande-duchesse Anastasia, son épouse. Thank you.
Le 2 août 1914. Nos troupes ont pénétré d'environ 40 km dans les territoires annexés. Le 20 août, les Allemands passent partout à la contre-attaque avec des forces considérables et une artillerie imposante. Le général de Currière de Castelnau, à la tête de la 2e armée, essuie une rude offensive dans la plaine de Morhange qui l'oblige au repli sur Nancy. Le 21 août, il installe son quartier général à Pont-Saint-Vincent. Il y restera jusqu'au 16 septembre, remplacé le 22 par le général Dubail. Regardez et écoutez. Le 21 août, de Castelnau est bien pessimiste. L'ennemi suit nos colonnes en retraite et est à prévoir qu'il se présentera demain devant Nancy. Le Grand Couronné est occupé par les troupes du 20e Corps. Elles ne sont pas en état, en général, d'être engagées demain ni après-demain. Je résisterai donc aux efforts de l'ennemi avec les seules forces disponibles. La situation m'apparaît comme très grave et je crois devoir vous en rendre compte. Je n'exclus pas un repli sur Toul ou Épinal. Mon général, votre fils, Xavier. Allons, parlez, que diable! Mon général, hier au front, votre fils Xavier a été tué d'une balle en repoussant l'ennemi. Continuons, messieurs. L'ennemi est en train d'exécuter un mouvement général vers le sud en présentant le flanc droit à la direction de Nancy. Il est essentiel d'arrêter ce mouvement. La 2e armée prendra l'offensive le 25 août à 4 heures en maintenant son front sur le couronné de Nancy et les hauteurs de Safay, Belchamp. En avant, partout, à fond. La bataille du Grand Couronné est à inscrire à la gloire des soldats de la 2e armée, commandée par de Castelnau. Ils ont héroïquement résisté en dépit d'un pilonnage infernal d'artillerie, au prix d'un engagement humain extraordinaire. La bataille a permis de contenir l'offensive allemande et Nancy a été sauvée. Joffre a transmis ses plus vives félicitations aux troupes et au général de Castelnau, nommé à cette occasion au tableau de grand officier de la Légion d'honneur. Le général payera un lourd tribut à cette guerre, car dans la même période, il perdra un deuxième fils, Gérald, à la bataille de la Marne le 7 septembre 1914. Son troisième et dernier fils, Hugues, disparaîtra en octobre 1915 en Artois. L'ennemi est en déroute ? Oui, la résistance a surpris. Le moral a très probablement été atteint. Pendant ce temps, un étrange événement a ému la population de Pont-Saint-Vincent. Quel événement, Monsieur Perrin ? Un soldat allemand fut arrêté dans nos lignes.
Habillé en civil, il prétendait avoir déserté. Inculpé d'espionnage, un tribunal militaire siégeant à la mairie de Pont-Saint-Vincent l'a condamné à mort le 30 août 1914. Il s'appelait Henri Stapf. Regardez. Descendez. Un verre de rhum? Yeah. Je vous bande les yeux. À mon commandement, on joue, feu! Nous sommes en janvier 1915. Laissons Marcel Littas, témoin oculaire, raconter. Vers 8 heures, le 13 janvier 1915, on entendit tout à coup des coups de canon. C'étaient des pièces qui tiraient sur les taubes venues repérer l'état-major. On vit soudain plusieurs petits flocons de fumée jaune autour d'un appareil qui rebroussa chemin. Deux aérofrançais lui donnèrent la chasse. Un autre Taubes s'avançait derrière. Il fit un demi-cercle pour venir au-dessus du fort de Pont-Saint-Vincent. Il était haut et passa au-dessus de neuf maisons pour se diriger sur Toul. Les bombardements sont souvent nocturnes. Ils seront particulièrement meurtriers et destructeurs en 1916 et 1917. Le 16 mai 1916, 27 bombes tombent sur l'usine. Le 8 février 1917, 4 victimes à 9 maisons. Le 16 juin 1917, plusieurs maisons et une boulangerie sont détruites à Pont-Saint-Vincent. La guerre est finie. Pont-Saint-Vincent retrouve la sérénité sans avoir amoindri pour autant son dynamisme. L'Amicale Saint-Julien est créée en octobre 1929. Elle se développe sous la ferme et vigoureuse direction de l'abbé Guillemin.
une chansonnière locale, Nénette Lefort, monte une revue musicale pour laquelle elle compose une charmante publicité pour les commerçants Vinci-Pontin. Écoutez. Avez-vous vu Pont-Saint-Vincent? Ah, réellement, ce que c'est charmant. Les dimanches, tous les Nancéiens affluent tous dans le suburbain. Visiter les sites merveilleux, ah oui, vraiment, c'est prodigieux. On y voit à bois un moulin se promener, des gens très bien jusqu'au plateau. On y voit des sites plus beaux. En sortant de la gare, un voyageur joyeux va s'en allant dardard chez Galtier tout heureux. Pour passer mon cafard, je vais voir une craie sonner. C'est chez Monsieur Blanchard, je vais chercher de la gaieté. Passant devant chez Aubry, j'admire ces beaux vélos. Ils ne sont pas de grand prix, mais ils sont rudement beaux. Je ne suis pas malade, mais on ne sait jamais. J'achète de la pommade, chez Coffezon j'y vais. Oh, quel beau saucisson, qu'est pendu chez Duval. Et v'là du beau jambon, chez Sutter sur l'étal. Avez-vous vu Pont-Saint-Vincent? Ah, réellement, ce que c'est charmant. Les dimanches, tous les Nancéiens affluent tous dans le suburbain. Visiter les sites merveilleux, ah oui, vraiment, c'est prodigieux. On y voit à bois un moulin se promener, des gens très bien jusqu'au plateau. On y voit des sites plus beaux. Je continue ma route vers d'autres commerçants et je n'ai plus de doute, ils sont bien tous charmants. Admirez les belles tours du boulanger Grosjean et ses pâtés en croûte sont bien appétissants. Ce pain à belle couleur, Rochotte sait bien le tourner. Pour moi, il met du beurre et dans sa pâte du lait. Ma foi, pour un lavoir, un cercueil, un plancher, venez voir Momon Bagarre, c'est sa spécialité. V'là la maison Vicky, je vais acheter un béret et une chemise de nuit, je commence à m'enrhumer. Avez-vous vu Pont-Saint-Vincent? Ah, réellement, ce que c'est charmant. Les dimanches, tous les Nancéiens affluent tous dans le suburbain. Visiter les sites merveilleux, ah oui, vraiment, c'est prodigieux. On y voit à bois un moulin se promener, des gens très bien jusqu'au plateau. On y voit des sites plus beaux. En août 1934, l'association Haute-Moselle Natation, ou HMN, naissait de bien étrange façon. Regardez, nous sommes sur la rive de la Moselle. Que viens-tu faire ici avec ton cigare flottant? Tu ne vois pas qu'on y est pour s'entraîner? D'abord, c'est pas un cigare, c'est un aviron. Ensuite, la rivière, c'est à tout le monde, non? Non, pas ici. C'est la zone réservée aux nageurs. T'es trop encombrant avec ton engin à rame. Moi aussi, je m'entraîne. Et je prépare une compétition. Alors, va ailleurs. N'insiste pas. Si tu mets ton engin à l'eau ici, on le transforme en allumette. Bon, bon, du calme, les gars, attendez. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Si on s'associait, mes équipiers et moi, on a besoin aussi de nous entraîner au moins deux fois par semaine. Il n'en est pas question. D'ailleurs, pourquoi faire? Je ne suis pas d'accord. Mais attends donc, laisse-le parler. Moi, il m'intéresse. T'as envie de prendre des coups de rame sur la tête, toi? Moi, non. On n'en est pas là. Voilà, si on s'associe, on peut s'organiser ensemble, rassembler des moyens, aménager des plans d'eau pour nos entraînements et ne plus marcher sur les palmes. Enfin, je veux dire, sur les pieds. Ben, c'est une bonne idée. J'en parlerai au maire. Je suis sûr qu'il nous y aidera. Allez, pour cette fois, aidons-le à mettre l'engin à l'eau. Non, pas l'engin. L'aviron. Merci, les gars.
Voilà comment naquit l'association qui allait conduire nageurs et rameurs en championnat de France, avec un titre pour les rameurs, et former des athlètes qui iront aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. En automne 1930, un menuisier, passionné d'aviation, Albert Mangeot, dans une brasserie de Neuf-Maison, expose les plans d'un planeur appelé X1A. Je suis sûr qu'il vole. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour le monter. Albert, t'es dessinateur, tu pourrais voir certaines parties du plan. Pierre, bricoleur de génie, avec notre mécanobut, c'est le fin ferrailleur Moku. Vous pourrez voir les problèmes d'adaptation, d'accord? Au printemps 1932, cette poignée d'hommes résolus achève le planeur qui, après des sauts de puce de 10 à 15 mètres, parcourra 160 km en 1937. En 1938, Albert Mangeot dirige les essais d'un nouveau planeur conçu par lui et inspiré d'un appareil polonais, l'Emouché 1. L'État en rachètera les plans pour le construire en série à partir de 1950 et en faire un avion d'entraînement pendant 15 ans. L'aéroclub est incorporé dès 1945 au Centre national de vol sans moteur et accueillera les championnats de France. La vie ne manquait pas de piquant. Tenez, en 1936, le père Labbé, un habitant de la vallée au nom de circonstances, était devenu vendeur du journal L'Humanité. Il connaissait l'heure exacte à laquelle l'abbé Guillemin prêchait. Aussi, le moment venu, il passait toujours près de l'église. Regardez. Qui n'a pas son humain n'aura pas son tabac. Qui n'a pas son humain n'aura pas son tabac. Qui n'a pas son humain n'aura pas son tabac. La messe d'aujourd'hui est célébrée à la mémoire de qui monsieur... n'a pas son humain n'aura pas son tabac. Mes chers paroissiens, j'attends que mon cher confrère et terminer sa propagande. Qui n'a pas son humain n'aura pas son tabac. La messe d'aujourd'hui, disais-je, est célébrée à la mémoire de qui monsieur... n'a pas son humain n'aura pas son tabac. Les tracasseries dominicales de l'abbé Guillemin n'étaient rien au regard de ce qu'il allait connaître le 19 juin L'abbé Guillemin se fait pèlerin de la reconstruction du clocher. Il entreprend sans attendre de réunir les ressources financières nécessaires en proposant au public l'achat des blocs de photos souvenirs reconstitués par ses soins.
Ses confrères, prêtres, lui proposent d'expliquer en chaire aux paroissiens les objectifs de son entreprise. Frères et sœurs, dois-je vous apprendre que l'église de Pont-Saint-Vincent a été crucifiée le 19 juin par un bombardement qui a détruit son clocher et la voix de ses messagères sacrées. Démarré dès le 13 août 1940, moins de deux mois après le bombardement. Le coq fut placé en haut du clocher le 10 mai 1941. Les cloches, expédiées en fonderie le 15 mars 1941, ont été récupérées le 5 juillet de la même année. Hé, tu viens jouer ? Non, il faut que j'aille sonner les cloches pour annoncer la libération. C'était le 15 septembre 1944. L'abbé Guillemin était un prêtre extrêmement énergique, comme vous pouvez le constater. Il a conservé toute sa vie le goût des longues marches à pied. C'est ainsi qu'il revenait régulièrement à Pont-Saint-Vincent, auquel il était resté très attaché après avoir quitté son ministère. Il s'arrêtait à la Forestière à l'heure où ses cloches appelait ses anciens paroissiens. Elles étaient toujours là, toutes les quatre, fidèles à leur mission. Un doux chant résonnait alors à sa mémoire. Et le vieux prêtre repartait discrètement, les larmes aux yeux, vers son lieu de retraite. Thank you.
vous ne dites plus rien. Quelle belle histoire, monsieur Perrin. Des milliers d'impressions se bousculent dans nos têtes. On n'a plus envie de parler, mais de rêver, pour revoir tout ce que vous avez conté ce soir. C'est moi qui vais vous demander maintenant quelque chose. À vous. À vous. Et aussi à vous tous. Je voudrais que cette histoire continue à vivre. À vous désormais d'en être les conteurs et les acteurs de la suite. Ce soir, ce siècle d'histoire de Pont-Saint-Vincent. C'est une prodigieuse aventure qui est pour nous première, où nous avons tous été unis, 26 pontelles et 26 pontins, avec un même élan de générosité, de sympathie et même d'amitié. On aurait bien envie de recommencer, croyez-moi. Mais cependant, il faut bien dire que cette fresque, hein, où nous nous sommes tant donnés, tous, sans exception, eh bien, elle ne serait pas sans la direction avisée d'une dame qui a su distiller savamment ses encouragements, qui a su aussi nous réprimander fermement mais doucement, et que je veux remercier publiquement ce soir, Evelyne Cunin. Qu'elle était assistée, et nous voulons les remercier aussi parce qu'elles étaient toujours fidèles au poste, de Pierrette et Corinne Brunner.
qui l'a porté. Non. Jean-Jacques qui l'a porté. De façon qu'on puisse ensemble aller se rafraîchir. Chers amis, depuis 3 jours, vous nous faites vivre comme les Vinci-Fontains vivaient il y a 100 ans. Et, pour rencontrer notre passé, vous nous avez offert les plus magnifiques spectacles que nous puissions espérer. Vendredi soir, un concert grandiose dans notre église, symbole de ce passé que nous recherchons et auquel nous sommes fortement attachés. Hier soir, sur le plateau Saint-Barth servant de scène, ce fut l'apothéose, nous laissant tous pantois devant le spectacle que vous offriez. Spectacle inoubliable par sa véracité, par sa beauté, par son organisation technique, et je le soutiens fermement, c'était formidable ce que vous avez réalisé. Et pour couronner... Siana, all'Italia. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. En torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Picasso,
même au diable scrocs comme des pruneaux. Fou du boulot, 24 heures sur 24 frais et dispo. De vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.